Depuis 2 heures. On fait l'amour pour passer le temps, c'est pas cool. Et puis, pour ce qui est de notre séparation au lever du jour, je trouve ça ridicule. C'est plutôt romantique. Oh, c'est fou. Puis ça a l'air si simple pour toi. Tu sais ce que c'est l'aube? C'est la naissance du jour. Paris s'éveille. Et notre histoire, c'est la mort. Ouais, plains-toi. Mais surtout, pleure pas, je serais trop content. Je t'écoute plus, Julo. J'en ai marre de tes délires. Yeah, maman. De toute façon, ça tombe bien. À cette heure-là, je partage plus rien. Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime, tu m'aimes. On s'emmerde. Dis donc, toi, je croyais que tu m'écoutais plus. C'est pour speeder, je crois pas dormir. Oui, excuse-moi, je deviens carrément horrible. C'est ma seule différence. Ah, de quel droit encombrez-vous mon âme? Sondez mes pensées. Un amuseur qui doit chaque soir interpréter une farce intellectuelle. Et en plus de ça, vous avez la conscience tranquille. Sans que vous vous posiez la question si vous en valez vraiment la peine. Marc, je comprends qu'on puisse craquer, hein, mon poulet. Et vous effacez tout, d'un seul coup, comme s'il n'y avait rien eu. Alors je provoque, normal. Et même les mots qui faisaient mal, ou du moins ouvraient le dialogue, ou les insultes. Là, plus rien. Le miroir. À chaque fois, j'ai l'impression de passer un casting. On vous fait des compliments, après avoir craché le morceau, c'est très bien. Vous étiez très très bon, je vous appelle très très vite.
puis plus rien. Juste des questions sans réponse. Merde, quand j'ai quelque chose à te donner, je le donne. Un jour, j'étais avec une femme mariée. Elle avait le feu au cul. Elle m'a dit qu'elle avait pas baisé depuis 6 mois. T'imagines ça? Merde. J'ai cru qu'elle allait m'arracher la queue. Non, elle te la sort toute seule. Et elle te parle d'amour ensuite. C'est répugnant. Là, je te jure. Il y a de quoi devenir pédé. J'ai plus qu'à aller chasser les pucelles. Personnage mythique. Ou à relire Homère, Goethe, Aristote, Rabelais, Jean-Paul Sartre, Strunz, Grarbe, Trombert, Vardin. Allô, Gwendaël? Ah, c'est Julot. Gwendaël, c'est sûrement pour les renseignements généraux. Comment t'as deviné? Tu sais bien, j'ai des petites antennes sur la tête. Avant ton coup de fil, elle frémissait, maintenant elle grésille, alors vas-y. Écoute, cet après-midi, j'étais chez Nounours pour aller faire des courses. Et il y a une copine à toi qui est passée de ta part, et je sais même pas son nom. Et puis, je t'avoue que j'ai un peu flashé. Alors je voulais savoir juste quoi. Tu sais pas qui c'est au juste cette nana? Ouais, ça me dit quelque chose. C'est Danick. Ouais, et après? Bah alors c'est Danick, voilà, tu sais son nom maintenant. Ouais, je suis vachement avancé. Non, je voudrais savoir... Elle est baisable, combien de porte-jartel elle a, son compte bancaire, si elle est maquée... Bah, oui, voilà, c'est ça, c'est tout à... Écoute, Julot, t'es vraiment nul, hein. À chaque fois que tu téléphones, c'est pour des histoires de cracotte. Hein. En ce moment, j'ai les glandes, j'ai plus de boulot. Alors quand tu téléphones, tu pourrais me demander au moins comment ça va. Bon, écoute, moi aussi je galère, hein, et ça m'empêche pas de vivre. Hein. Bon, on arrête les conneries là. Hein. T'as pas autre chose à me raconter? Donc, ce soir, il y a une fête. Une teufée? Ouais. On a rancard avec les copains à la maison. Viens. Et puis d'ailleurs, je crois qu'elle y sera. Ah bah, c'est très intéressant ça. Moi, y a pas de problème, hein. Je passe très très vite. Hein. A plus! C'est ça, à plus! Hé hey Gwen! Quoi? Comment ça va? Connard! Et elle prend un poil sur le caillou et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin. Mais tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet. Et je l'aime, saint sagadin, c'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset. Et je l'aime, saint padabin, il est bancal, du côté cérébral. Mais ça m'est bien égal, qu'il ait l'air anormal, t'as tagala. C'est complet, les muets, ses quinquets sont tant biais, mais tel qu'il est, il me fait de l'effet. T'es bientôt prête, hein? T'es pressée, hein? Bah, c'est pas ça. Moi aussi, il faut que je m'habille, hein. Tu crois qu'elle sera là? Non, mais c'est quoi comme genre de nana? Par exemple, à quoi je pourrais la reconnaître, hein? À son gros cul. Oh, t'es mauvaise, là, hein? Oui, je suis mauvaise. Tu m'emmerdes avec ça. En plus, je l'aime bien, Danick. C'est quand on parle que ça me déchire. De toute façon, elle a pas encore succombé à mes charmes. Hein? Et puis ça te déchire, t'as pas peur des mots tout de même. Moi je t'ai jamais vu déchirer sauf quand tu... Hein? Ouais mais ça me fait chier de jouer les Madame Claude. Bon, t'es complice. Dans le genre copain-copain, on fait pas mieux, hein? Ouais mais ça pue, t'es trop superficielle, on prend ça à la rigolade, et dans le fond on souffre. Ouais, t'as sûrement raison, c'est un jeu où on se fait mal. Et n'empêche que tu me diras, hein, pour repérer Danick. Ça dépendra de toi. Bon, lâche-moi alors. Allez les amoureux, vous venez? On y va. Je veux pas voir. Je veux pas voir. Voilà. Mais n'empêche que tu me diras hein, pour repérer Danick. Oh, c'est pas possible ça. Bon, elle rigole cette connasse. C'est pas grave, excusez-moi. J'ai pas été assez.
Et puis ça te déchire, t'as pas peur des mots tout de même, moi j'ai jamais vu déchirer, c'est pas du tout.
c'est complet. Les muets, ces quinquets sont tant bien, mais tel qu'il est, il me fait de l'effet.